Voilà, madame, monsieur, bonjour. Nous très contents avec vous pour premier match journée ça. Nous pourrons tomber dans Belgique contre la Tunisie. Belgique qui était étrier le Panama 3-0, alors que la Tunisie lui-même était tombée 2-1 devant l'Angleterre dans le groupe G. Alors, Belgique contre la Tunisie, on victoire Belgique a permis de qualifier pour les huitièmes de finale. Mais écoutez, la Tunisie lui-même, pour qu'on dise dernier mot, pas là. Faudrait-il qu'une tonne réaction Tunisie face à Belgique. Belgique-Tunisie, nous trois, comme d'habitude, Franck Saint-Ville et Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, nous pourrons animer et commenter la rencontre football ça pour vous. N'a tout d'abord dit, Franck Saint-Ville, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Miguel, bonjour tout le monde qui branche Radio et Télévision Nationale d'Haïti matin. Bien bonheur pour et suite à Coupe du Monde là, pour deuxième match et dans le groupe GA. Et un match qui va mettre face pour face la Belgique avec l'équipe Tunisia. La Belgique en cas de victoire a tout qualifié pour les huitièmes de finale et l'équipe Tunisia en cas de défaite tout a tout éliminé, a tout dit bye bye. À 21e édition Coupe du Monde là. C'est pour un duel entre Européens et Africains encore, même si ça a été fait hier. Duel des continents. Duel des continents, même si ça a été fait hier. Est-ce que nous avons joué l'autre victoire africaine, je dis encore, ou bien nous avons joué une victoire européenne, il n'est que d'attendre. Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Ça va, Jérôme. Je vais pas ça tout Pierre, honnête, monsieur. Effectivement, salutations à vous, Jérôme Pierre. Salutations également à notre ami Franck Saint-Ville. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous comptons rejoindre aujourd'hui, samedi, ici, là, pour deuxième match dans le groupe GA. Un match qui prend la prise dans Spartak Moscou, équipe tunisienne qui va gagner pour l'affronter Belgique. Eh bien, jeudi, il y a un barrage, Jérôme, pour nous signaler. Donc, en cas de défaite, Tunisien, yo, pour le penser. Pour y retourner la caillou. Oui, c'est commencer à rassembler et bah, commencer à remplir mallette et puis commencer à créer espace dans la chambre d'hôtel là, pour quitter espace là. Donc voilà la Tunisie, mais tout ça n'a pas dit là, c'est En cas de défaite. En cas de défaite. Donc nous, beaucoup là, c'est probabilité. Donc Fontaine, 90 minutes là, il passe pour qu'on ait sur la Belgique ou bien la Tunisie. Il faut s'en rappeler que deux équipes sont, monsieur, je joue trois matchs déjà et on victoire pour la Belgique, on victoire pour la Tunisie et on match nul. Et Belgique, t'es Tunisie, yon goal à 0. Belgique te fait 1-1 avec Tunisie. Et puis Tunisie pral battre la Belgique 2-1. Voilà. Et puis yon chaque marqué 3 goals. Chaque prend 3 goals. Tout. Donc, on capable de comprendre dans la confrontation de deux équipes, c'est yon égalité parfaite avant rencontre football. Ça. Oui, seul grand match que deux équipes ça a été joué en phase finale Coupe du Monde, c'était en 2002. Ils ont fait match nul, ils ont gol partout. Et fond dit tout, la Belgique pour qu'on jamais perdu face aux équipes africaines et en phase finale Coupe du Monde. Dans trois confrontations déjà, la Belgique fait deux victoires avec un match nul. En plus, faut ajouter, la Belgique était sous 10 matchs sans défaite dans phase de poule et Coupe du Monde. 5 victoires pour 5 matchs nuls. Justement, donc son équipe qui revient dans Coupe du Monde là avec une étiquette par super favori, mais quand même, il fait partie. Bon outsider. Deuxième et bas échelle là. Ou a besoin de la Belgique, ou a besoin de le Portugal, ou a besoin de la France. M'te mette l'Argentine là dans tout, mais l'Argentine est glissée dans le troisième bas. C'est normal. C'est normal puisque l'on a comparé l'équipe 2014 là avec Mots qui était dans tête là par rapport avec l'équipe ça. Ou Vinoué quand même, son effectif qui gagne plus maturité, joueur quand même, gagne plus précision quand même. Même au niveau de jeu, yo vine plus créatif, gagne plus de production en termes de jeu. Beaucoup d'équipes belgiques là quand même sont équipes qui en progression. Je dis ah, quand même, si toutefois yo voulait respecter non yo, c'est pour Lyon David contre yon bataille disons entre David et Goliath. Et m'a privé le bas comme ça. Non, dans phase finale. Non, loi par rapport à l'histoire, par rapport avec ça de qui sont fait déjà. D'ailleurs nous sommes bas chiffres entre deux équipes yo j'ai trois matchs, yo chaque font victoire sur l'autre, yo font match nul, c'est-à-dire bon équilibre. En plus, nous parlons de comportement belgio affiché pendant ces derniers moments. Je suis capable d'accord avec Miguel. C'est là parler en termes de individualité, en termes d'effectif. Mais surtout, pas de problème. Mais en termes d'histoire, c'est deux équipes qui peuvent régler. Il y a l'Italo-Suisse, monsieur présent à Spartak Moscou, monsieur Gianni Infantino. Infantino présent dans les travées du stade.
Voilà. Et la Tunisie, c'est vrai que l'Ipoko fait grand chose dans la Coupe du Monde. Il en est de même pour la Belgique, qui beaucoup réglant rien, malgré une série de belles générations qui ont passé déjà dans le football mondial. Là. Mais pas réglant rien, même le championnat d'Europe des Nations pas gagné. Eh bien, match après le fait, Belgique, 55e match dans l'histoire dans la Coupe du Monde. Eh bien, dans l'histoire dans la Coupe du Monde, Belgique fait 14 victoires, 9 matchs nuls, 18 défaites. Bon, il manquait 55 goals, il encaissait 68 parce qu'il était à 52, il était fait 3-0 contre Panama, ça fait 55 goals et il encaissait 68. Bon, nous capables de si, non seulement chiffre parler pour la Belgique, nous avons ajouté commentaire la France, tout présenter téléspectateurs et auditeurs, formation belge. Oui, la Belgique a joué un goal avec Thibaut Courtois et en défense, une défense à 3 qui a Jean Vertonghen et Dedrick Boyata et Toby Alderweireld. En d'intérêt, il y a bien Yannick Ferreira Carrasco, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier et puis trois monde devant, c'est Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens. C'est 11 monde qui va jouer pour la Belgique, je dis. En 3-4-3. 3-4-3, voilà. 3-4-3. Oui, ça que nous avons dit tout à l'heure, la Belgique, non seulement Chifio Palipouli, et puis Jair Maoufou, c'est pas l'arbitre central, c'est un Américain, oui, d'origine. Oui. Et non seulement Chifio, nombre de participation parlé pour la Belgique, et puis et talent, individualité, montrer que la Belgique paraît favori pour Matsa Jérôme. Claire, les favoris, parce que soutenu compte de valeur individuelle équipe ça, valeur intrinsèque, chaque équipe ça, Sinka City, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Yannick Ferreira Carrasco, c'est des joueurs pour contre qui capable de craser en défense. Donc, ils sont partis favoris vraiment. Et puis, dans l'assistance vidéo, c'est arbitre américain. On l'autre arbitre américain, c'est McGuiger qui est dans l'assistance vidéo. Donc, ni sous et terrain ni assistance vidéo, c'est un américain, donc c'est un américain qui va aller contrôler le match là, véritablement entre la Belgique et la Tunisie. Miguel, Pierre Miguel, Pierre Gilles. Respect. M'bav l'équipe en Pierre. Non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. L'équipe voilà. Tunisienne. Voilà, Nangolan, c'est pour Farouk Ben Mustafa qui peut aller voler avec Dosa 1. Et puis latéral droite, c'est pour Darren Brun. À latéral gauche, Ali Maloul. En défense centrale, Siam Ben Youssef pour l'assister de Yassine Meria. Au milieu de terrain, c'est pour Berjani Sassi, Elias Skri et disons Skiri pour gagner. Saïf Edine Kaoui et puis devant on parle de joueurs comme Wabi Kazri, Anis Badri et puis Fakredine Ben Youssef. Il y a un système de 4-3-3, donc quand même c'est même son clochement en parlant de style de jeu, système que les deux techniciens ont opté pour matcher là, en parlant de Robert Martinez pour la Belgique et ensuite Nabil Maloul pour la Tunisie. On est en train d'assister à une Coupe du Monde très prolifique, monsieur. Très prolifique en but parce que à 26 matchs, on est à 58 buts. 58 buts pour 26 matchs. Ça baille 2,23 buts par match. C'est une Coupe du Monde déjà riche en buts. Seulement dans le deuxième match de groupe. Nous pouvons même attaquer. Troisième match de groupe. Voix pour un huitième de finale, quart de finale, demi-finale et finale et ti-finale. Donc voilà, et en Coupe du Monde avec un pile goal, 58 buts pour 26 matchs. Donc c'est 27e match, nous allons assister là entre la Belgique et la Tunisie. Deux équipes au féminin parce que c'est la Tunisie, la Belgique. Donc c'est au féminin, monsieur. Donc c'est-à-dire, on a pour Emmanuel Aturin, on a pour Farah Audley, et puis bon, Richie Dineville, quittez ça. Donc. En tout cas, Fonsenville, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, nous partons à la première période matin. Ballon pour Thomas Meunier. Thomas Meunier fait passe là. Attention, la passe de Dries Mertens. Le contrôle, 2 contre 1. Ballon récupéré par les Tunisiens. L'arbitre central américain, Jair Maroufo, arrête le jeu pour octroyer un coup franc au profit de l'équipe belge. Donc, faute commise par le dossard 2, Siam Ben Youssef. Siam Ben Youssef qui commet le faute là et premier coup franc dans le record là. Siam Ben Youssef, 29 ans. Monsieur Cap honoré la 44e et sélection li. Le dossard 2
Et Tunisien, attention, coup franc balancé, ballon capté par le portier. Et Tunisien, Farouk Ben Mustapha, Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City, ballon en bas défense là. Attention, Yassimé et Meria Feli en défense centrale pour partenaire. Il n'a parlé de Siam Ben Youssef. Attention, ballon à gauche pour Ali Maloul. Ali Maloul fait passe là en deux défense là. Ballon pour équipe et tunisienne. On passe longue pour la tête d'un joueur et belge. Le contour de la poitrine de Axel Witsel. Axel Witsel fait passe là en retrait. On joue en profondeur. Ballon prêt, sorti en touche. Autrement dit, eh bien, gagné latéral droit équipe et tunisien qui quitte la bas défense là pour Yassine Meria. Calé la bas défense là. Et pour c'est maintenant Yassine Meria a le ballon. Il joue au poste de l'arrière central gauche. Attention, accélération du numéro 9, Anis Badri. Attention, l'IAPC infiltré dans l'axe défense équipe belgique là. Mais finalement, la Belgique récupère le ballon. Dégagement de Thomas Meunier. Ballon prêt à le contrôler par Romelu Lukaku. La sortie de Farouk Ben Mustapha. Et du même coup, conjugué dans géant. Rapidement, Kevin De Bruyne fait touche là. Yo tourne sur Kevin De Bruyne. Il fait passe là pour Eden Hazard. Eden Hazard fait passe là en de terrain. Attention, mettez nos pieds à Thomas Meunier. On frappe du gauche de Thomas Meunier. Et qui capté par Farouk Ben Mustapha. On peut attendre les premiers commentaires de Franck Séville sous début mars. Oui, Jean, ça est fait presque dans toute phase finale Coupe du Monde de Jérôme. Sans round d'observation, ouais, tous les deux équipes ont lagué dans la bataille. Oui. Tous les deux équipes ont lagué dans la bataille. Ça dans plusieurs matchs. Oui, depuis commencement Coupe du Monde, ouais, par sacré les rounds d'observation, équipe par contre ça. La Belgique, elle prend ballon, lui fait passer ballon et puis l'attaquer, même Jean Tunisia, c'est que là, si nous étions compte de rencontre Tunisie jouée face à l'Angleterre, là, nous obtenions un bel match. Justement, ballon donc pour la Belgique, Axel Witsel qui joue en Chine, ballon en bande de face le Kounia, contrôlé et par Yann Vertonghen, non, c'était pas lui, c'était de préférence Toby Alderweireld, ballon de terrain, bousculade, l'homme central n'a rien dit, pourtant il y avait faute, l'homme central a laissé jouer, ballon Axel Witsel. À gauche pour Yannick Ferreira Carrasco, il est au centre, ballon contré dans pied et Fakhreddin Youssef, le numéro 8 tunisien, voilà, et le numéro 8 tunisien à l'écran, n'a pas de Fakhreddin Youssef, ballon en défense pour Dedrick et Boyata, calé à gauche pour Yann Vertonghen qui était dans le terrain, le contrôle de Eden Hazard, ballon Axel Witsel, qui ballon, les jeunes blancs belges, Kevin De Bruyne, attention Axel Witsel, allez sur Yannick Carrasco, qui a joué en Chine tout lui-même, attention, ballon pour Eden Hazard, yo tacle li, ballon vient jeune, Tommy Alderweireld, qui joue dans le couloir, Thomas Meunier, la passe, ça c'est tout bien joué Eden Hazard, il y a pénalité pour la Belgique. Alors que dans le début d'action, il semblait que c'est deux le prendre. Jean action tape en chaîne, mais Abikla s'est indiqué des bails pénalités. Oui, il était pour une tonne. C'est un soulier. Depuis le soulier, c'est un soulier. Parce que Lilan fait partie de ces phases de réparation. Pied, monsieur, tu es en soulier. Donc, Abik Central, les bails à pénalité pour. Pénal pour la Belgique. Eden Hazard pour quelques possibilité là pour marquer premier goal de Jérôme dans la phase finale Coupe du Monde ça. Oui. Nous songez la Belgique te bat Panama 3-0 avec un doublé de Romelu Lukaku et un goal de Dries Mertens. Nous songez et superbe frappe ça, une frappe sans tomber et qui t'a terminé course lui. Un goal que Pedro voilà, nous là réalisateur là persister sur action. Est-ce que habite la balle dans Valant? Est-ce qu'il va aller dans Valant? Oui, non, et c'est ça qu'il fait même. Donc
à cause de l'assistance vidéo, il y a bon ralenti plusieurs mais plusieurs fois pour capable effectivement est-ce que pénal ou arbitral là avant que les bases pénalité mais il y a balle image de l'assistance vidéo et bien MacGyver qui est l'assistance vidéo tout qui a communiqué avec arbitral et quand même Jean-Pierre nous a dit ça c'est quand même une décision assumée une décision réfléchie puisque nous avons pas même consulté Eden Hazard il pas même consulté volant. Eden Hazard prend le parti là pour pénalité ça. À contre-pied. Ego. Eden Hazard, madame, monsieur. Goal. Honda, batterie Megavolt, E-Track, TGI, BNC, EDH, Euroceram, Top Tireuse, Ofatma, Criolito, Kasami, César, Centre du Savoir Académique d'Haïti, qui trouvait le dans Delma 83, dans numéro 33 Delma 83, c'est là que vous rejoignez César, Centre du Savoir Académique d'Haïti. Voilà, un pour la Belgique, zéro pour la Tunisie, Franceville. Ça commence bien pour la Belgique. Oui, bonjour, pied au plancher, ils ont commencé match et déjà, ouais, ils ont gagné avantage là dans le tableau d'affichage là. Et ça fait affaire la Belgique, qui a dirigé le tout droit, vers une qualification pour les huitièmes de finale. Et si ça t'arrive comme ça, ça peut le faire Belgique, onzième match, que n'a pas perdu dans la phase de groupe dans la Coupe du Monde. Mm-hmm. Alors, phase finale ou phase de groupe? Phase de groupe. Nous dans phase finale. Phase non, de phase de couple. Phase de poule. Très bien, Franck Saint-Ville. Entre temps, ballon donc balancé. Non, que défense équipe tunisienne. Romelu Lukaku fait déviation de la tête là. Et son ballon sorti en touche. Et gagne 59e goal là, qui sont inscrits sous pénalité par Eden Hazard. 59 goals pour 27 matchs. Attention, ballon donc. Et pour les Tunisiens, ils sont capables de sortir. Les Maghrébins sont capables de le consatou, c'est sur nous. Attention, attaque de l'équipe maghrébine, mais passe ratée. C'est pas le ballon pour l'équipe belge de football. Entre temps, c'est Thibaut. Les Diables Rouges. Ballon pour Toby Alderweireld. Toby Alderweireld joint Thomas Meunier. Thomas Meunier fait l'un dans le terrain pour Kevin De Bruyne. Déviation et passe lui sauver ballon. Bien joué là. Bien joué dans le couloir de l'équipe belge. Donc, c'est un ballon qui soutient en touche. Touche pas faite par Thomas Meunier, le Parisien. Il joue en France au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe de Neymar. En parlant de Neymar, Neymar a marqué hier dans la victoire du Brésil contre le Costa Rica. 2-0 en temps additionnel. Brésil pour faire décision match là, alors que Costa Rica lui-même tape tiré quoi de là, mais finalement quoi de la cassé. Et Costa Rica tombé dans falaise. C'est Philippe Coutinho qui marque. Neymar, Philippe Coutinho qui marquait deuxième goal. Et du même coup, Costa Rica a éliminé. Et Costa Rica, du même coup, trop éliminé dans la compétition. Même s'il était en troisième match, il faut jouer pour prestige, pour l'honneur. Réflexion. Nous, ouais, Costa Rica est dans le même groupe avec Haïti, dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Ça là. Parce que nous voyons Costa Rica affiché. Bon, on ne va même parler de Coupe du Monde. Ça, on peut Coupe du Monde 2014. Là, voilà. Coupe du Monde 2014, c'est Coupe du Monde référence. Costa Rica. Pour te mettre des ténors dehors dans la compétition. L'Italie, problème. Oh, et si c'est l'Italie même qui élimine la Hollande. Oubliez pas ça, François. Oui, je me souviens. C'est Coupe du Monde référence Costa Rica. Mais 2014. Si nous n'avons pas pris le football là au sérieux, nous n'avons pas pris le football là au sérieux. Jusqu'à ce qu'il y ait même nous prenons la Coupe du Monde. Nous n'avons pas gardé le monde. Si nous n'avons pas fait en 2026, malgré la Coupe du Monde, nous avons fait à 48 équipes. Et pas 48. Oui. 48 équipes. Et gardez, nous avons gardé le monde. Regardez les gens qui parlent dans la Coupe du Monde. Bon, attendez, écoutez. Honnête, écoutez, dans la zone, il y a le Panama, il y a Honduras, il y a Salvador, il y a Costa Rica, il y a Trinidad et Tobago, il y a Jamaïque. Il ne faut pas passer par tout le monde. Il y a Mexique. Bon, Mexique, alors, regardez là. On parle là. Où est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que 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 vous avez d
Donc voilà, et si je décide de faire un sérieux avec le football là, et même bon, on va parler de l'équipe là, bon, le bail est bon, mais je imagine une bonne compétition dans le monde, on est capable de se organiser, mais nous avons des stats pour gagner. Silvio Gato, qui va même bien. Bail 1952, il va même bien bon pack. Non, je ne vais pas parler de Silvio Gato encore, mais. Comme et stat. Monsieur, on a précisé, dit auditeur, que la Belgique a mené 1-0, but inscrit par Eden Hazard sur penalty. Auditeur et téléspectateur de la RTNH, attention, vous êtes salués. Attention, ballon donc pour la Belgique. On passe en retrait. Ballon en bas défense là. Toby Alderweireld joigne Boyata. Boyata joigne Toby encore. Toby Alderweireld. Libral faut passe longue. Ballon en profondeur. Est-ce que Yannick Ferrarasco est arrivé maintenant? Voilà, petit problème au niveau de l'image, technique. On espère que ça peut résoudre rapidement. Et c'est fait. Résolu. C'est fait donc. La Belgique mène par 1-0. On a regardé Ben Youssef, le numéro 8 tunisien, touche pour la Belgique. La Belgique qui paraît une équipe qui est capable de arriver loin dans la compétition, ça, monsieur, par rapport 1 à un joueur que le gagne, par rapport 2 à eh bien, performance que la baille là. Et Portugal avec la Belgique, montrez-nous de par prestation que vous êtes capable de arriver loin. En parlant de Portugal, Jérôme Pierre, quand même, ils sont Portugal qui m'y figue ni raisin. Tout simplement, ils ont Portugal qui a l'image de Cristiano. C'est Cristiano quand même, véritable star équipe ça qui révèle, mais quand même, son Portugal m'a dégagé. Bonjour, monsieur, bonjour madame, c'est comme ça que lui affiché. C'est son Portugal, c'est ça? Oui, écoutez, mais c'est Cristiano. Ce qui me dépend de Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano. C'est Cristiano. Et rappelons, Jérôme, dans le deuxième match Portugal, 1-0, il bat Maroc quand même, 1-0. Gardez pour l'équipe Portugal. Si on Portugal presque inexistant, son Portugal, c'est pour l'équipe comme si Dado Cap séduit. Mi figue, mi raisin. C'est pour l'équipe comme si Dado Cap marché sous le monde Fox Saint-Ville. Mais, et lorsque il y a Cristiano Ronaldo, il faut un petit respect pour lui. Non, Portugal, mais c'est pour respect même. Nous songeons Portugal et dans l'Euro 2016 là. Et c'est des patrons Portugal qui tapent marché sous le monde. Nous songeons et comment tu es qualifié dans la phase de poule dans l'Euro 2016 là avec trois matchs comme meilleur troisième ou elle t'a le champion. C'est que depuis l'équipe là, il y a Cristiano, ou doit avoir respect pour lui. Et puis il y a quelques autres talents mettant ensemble avec elle, ou doit avoir respect pour lui. Alors, tout ça que tu fais dans l'Euro, c'est grâce à Cristiano surtout. Et tout ça commence à faire dans la Coupe du Monde là, c'est grâce à Cristiano. Cristiano Ronaldo, son joueur qui méritait apprécié. Non, parce que je joue là. Non, parce que je joue d'accord, qui méritait apprécié et respecté. Mais, Mabdou, honnêtement, que Portugal, que nous avons gardé, son Portugal quand même, qui dépend seulement de Cristiano. Une fois Cristiano par là, non, mais, Wabdi, waouh. Et l'avenir. Portugal, et c'est des équipes qui dépendent de Cristiano. L'Argentine, ça n'a pas dépendu de Messi, non, quoi. Yes. L'Argentine, ça là. Bon, voilà. Messi a passé à côté, Mathieu. Mais pas dépendu de Messi. Entre temps, ballon donc, voilà, faute donc sous Action ça, nous parlons de faute là. Et bon, tout pour lui, là, Yann Vetton qui fait là. Sous Wabi Kazri, Guillaume 14 jeunes qui baille, monsieur. Coup de lui, là, Yann Vetton. C'est Pierre Janis Sassi de sa 13 équipe tunisienne, non, qui avertit monsieur Pierre Janis Sassi. Monsieur fait là, sous Wabi et Kazri. Wabi Kazri, là, je viens d'un Rennes en France. De Yann Vertonghen et l'homme central n'a rien dit à ce qu'il paraît. Voilà Sassi qui a été averti. Oui, carton jaune pour Sassi. Sassi, le numéro 13 tunisien, ballon pour Thibaut Courtois. Thibaut Courtois et écarté le couloir pour Toby. Toby Alderweireld fait dégagement. Ballon contré dans le terrain. Ballon donc et pour la Tunisie, pas pour longtemps. La Belgique récupère lui. On passe vers Yannick Carrasco. Yannick Carrasco. Yannick Carrasco. Yannick Carrasco. On frappe à sol. Il manquait surprendre le goalkeeper tunisien. Farouk Ben Moustapha. Et c'est pour nous relancer du côté tunisien. La Tunisie qui a déjà participé dans 6 phases finales de la Coupe du Monde. Il a toujours été en premier tour. 78, 98, 2002, 2006.
Il est toujours éliminé dans le premier tour. Et Tunisie, ballon pour le numéro 9. Je vais parler de Anis Badri. Ballon, il est écarté à droite vers Ali Maloul. Non, c'est le numéro 11. Dylan Brown passe en retrait. Attention, équipe et tunisienne. La passe à gauche. Le contrôle du numéro 12. Attention, Ali Maloul. Ballon perdu. La passe. Romelu Lukaku. Ça peut faire mal. Goal! Romelu Lukaku, troisième goal qui rejoint Denis Cheryshev dans le classement virtuel avec 3 goals et également le joueur espagnol Diego Costa, quand même, qui a target Ronaldo Cristiano, qui a 4 buts, voilà, l'actuel buteur de la compétition. Le contrôle et les croisés frappants. Rassol, ballon capta et tête gazon. Le portier tunisien tire du gauche. Était battu. Et le gaucher belge, donc Romelu Lukaku. Doublé donc, alors 2-0 pour la Belgique. Il vient de marquer son troisième but. L'avant-centre de Manchester United. La Belgique, bon, sans surprise, de la qualification. Oui. Oui. Sans surprise. Et effectif Belgique, là, t'es dit nous ça. Et la Belgique a dominé le match. Et c'est tout à fait logique. Il n'y a peine pas 2-0. Et Tunisie a fait route pour quitter la compétition. Oui. Oui. Il était perdu 2-1 contre l'Angleterre. Il a mené sur les 2-0. On défait aujourd'hui là. C'est carrément élimination pardon, de la Tunisie contre l'Angleterre. Ça, la Coupe du Monde de Russie 2018, donc équipe africaine, mis à part de Sénégal, Nigeria, qui hissait et drapeau africain, et eh bien Nigeria se font belle victoire tout parce que ils ont remetté en vie, voilà. Après victoire, 2-0 en suivant Taxa, coup tête, goal! Dylan Brown. Et femme Dylan Brown, madame, monsieur. Et Jean Savatila Jérôme, nous participons au match riche en buts. 3 buts déjà. Voilà le coup franc beauté. Il n'y avait pas en jeu. Et donc, nous avons zoom sur assistance vidéo. Voilà coup de tête de Dylan Brown. Et Thibaut Courtois battu. Voilà le coup franc du de Wabi Kazri. Mabi Kazri. Wabi Kazri. Et on coup de tête, ballon maté à terre. Wabi Kazri, joueur bourré de talent, car je n'ai rien en France. Justement, majorité de nos joueurs et tunisiens ont joué en France. En plus, là, c'est dans Dijon, il y a joué dans Châteauroux. Donc voilà. Et 2-1, Pierre Miguel, Pierre Gilles. Le match est relancé. Oui, beaucoup de choses peuvent se passer dans les minutes qui viennent entre la Belgique et la Tunisie. Puisque c'est une première partie riche en buts, 3 buts déjà pour les deux équipes. Mais mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à peine, sachez que c'est l'équipe belge qui mène au score. 2-1, attaque sur le flanc droit, la passe en retrait pour Kevin qui s'appuie en direction de Thomas Meunier. Que va-t-il faire? Il est dépossédé du ballon, l'équipe belge à l'attaque. Oui, on attend le centre, la passe vers Thomas Meunier qui va centrer. Oh là là, mais quel parade du portier, c'est pas fini. Mais ballon repoussé à nouveau au niveau de la défense tunisienne de football. La balle aérienne, l'équipe belgique récupère. Mais il y a faute, signale l'américain, monsieur Jair Marfo. Lui qui a arrêté la rencontre afin d'octroyer un coup franc favorable pour l'équipe qui mène au score. C'est bien la Belgique. Et Miguel Jérôme, match là très 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 ouvert. Oui. Et Tunisie connaît le 2 fait un bon résultat pour le rester en vie dans la compétition. Hein? Et là, jouer avec une équipe et qui a habitude, qui est béboule là, ça veut dire match à lui-même, ça va étonner pour une jeune paquet de goal. Et déjà, c'est un match dans ce soir. Oui, son match, j'en dis là, nous, quand même, pour devoir et mission, temps de verdict final là. Voilà.
nous avons un match qui a annoncé avec un pile goal, trois goals, alors que nous avons seulement et autour de 15 à 16 minutes de jeu. Donc ça veut dire que trois goals déjà en 16 minutes. Et quand même, ça veut dire beaucoup. Voilà. La passe en profondeur de Siam Ben Youssef pour l'équipe tunisienne de football. Mais le ballon est allé en 5,50 m. Mais l'arbitre central, M. Maoufo, avait octroyé un coup franc favorable pour la Belgique. Ballon contrôlé par le portier Coutrois. Thibaut Coutrois, que va-t-il faire? Il s'appuie en direction de Toby Alderweireld qui remet le ballon rapidement pour Dries Mertens. La passe en direction de Thomas. Thomas, l'équipe belge, la passe dans l'axe en direction de Wixel. Que va-t-il faire? Il cède le ballon pour M. Yannick Carasso. Oui, la passe sur le flanc gauche. On attend le centre. Le centre qui tarde à venir. Ballon contré. Récupération pour l'équipe tunisienne de football. La passe latérale. Même mauvaise passe. C'est l'équipe de la Belgique qui récupère. On attend le tir final. Mais ballon tiré. Ça n'apporte rien pour l'équipe belgique. C'était une frappe de la signature de Toby Alderweireld. Si vous nous rejoignez à peine, mesdames, messieurs, la Belgique mène 2-1 au niveau de la Tunisie. Les deux buts de l'équipe belge ont été l'œuvre de Eden Hazard sur penalty, ensuite Romelu Lukaku, et c'est bien Dalen Brown qui avait réduit la marque pour l'équipe tunisienne de football. C'est 2-1. Amis auditeurs, téléspectateurs, la Coupe du Monde, l'affaire de toutes les nations. 13 pénalités dans la Coupe du Monde, ça. Oui, quand même. Dans 13 pénalités, il y a 3 ratés. Oui. Mais Messi, Cueva, et sans oublier Islandia, c'est quelques parmi nous. Voilà qui inscrit nos yo. Dans le monde qui raté pénalités, n'a pas suivi là. Pas de gain jeu tout à l'heure. Pas de gain au jeu. Pas de gain au jeu. A persisté pour lui montrer nous quelque chose. Pas de gain au jeu. Ouais, Lilan montre que pas de gain au jeu. Tout le monde est derrière Lilan. Pas de gain au jeu. Quand même, un joueur reste étalé au tapis vert. C'est qui? C'est le 211, le buteur. Le buteur Dalen Brown. Buteur. Oui, c'est lui qui avait réduit l'écart pour l'équipe. C'est jeune, monsieur, 23 ans. Pour l'équipe. J'aimerais bien c'est choqué là. L'écart difficile pour monsieur continuer. Est-ce qu'il va continuer? Et le capable même les gammes. J'aimerais bien nous oublier. Il reçoit les soins que nécessite son cas. Et à l'écran, le 213. Monsieur Virjani Sassi qui avait là, là, quand là même, c'est action côté. Il se laisse emporter jaune, très acide contre l'arbitre central. Monsieur Maoufo, là, il était un jeune déjà. Il était un jeune déjà habitant quand même. Non, c'est même jeune. C'est même. Ça, c'est reprise action. Ah, ok. Là, côté que monsieur prend le tacle de Naza et puis il te prend le carton jaune. Alors, réalisateur, l'a tourné sur action pour montrer réaction. Est-ce que c'est les mêmes par rapport à décision? Ou encore, est-ce que c'était un carton mérité ou pas? Oui. Bon, quand même, le joueur. Peter Lapap qui a continué, j'aimerais la sorti là. Maintenant, Bon, qui sort sur civière. Et c'est un coup dur pour l'équipe tunisienne. Depuis, est-ce que ça au transport pour la garçon? Oui, où tu prends, monsieur? Oui, regarde. Mais au visage, regarde réaction, monsieur. Oui. Je parle d'un infirmier, monsieur, droite là. Et coup dur pour la Tunisie qui perdit un bon joueur. Bien bon. C'est monsieur qui réduit Scolan à 2-1. On a parlé de Dylan Brown. 23 ans seulement pour le joueur tunisien. Nous sommes joués dans la Gantoise. Et dans monsieur, Belgique. Oui, et la Gantoise, et c'est un club belge. Nabil puis, Maloul. Nous dans la sélection depuis en 2017. Nabil Maloul pral fait un changement contre sa volonté. Un changement forcé. Oui. Ça, c'est goal, monsieur. On voit le but. Très belle détente. Dylan Brown, on peut peut-être se matcher. Ballon bat à terre. Et le genre de ballon, ça, il est souvent difficile pour le goalkeeper. Parce que le goalkeeper, là, il est plongé. Alors, ce que pendant la plongée à ballon, à bat à terre. C'est voilà, le changement effectué au sein de l'équipe est tunisienne. Le numéro 23 qui remplace Dylan Brown. Voilà, un changement. Et celle de ça, 21. Le dossard 21. Oui. Le dossard 21. Andy Nagez. Voilà. Andy Nagez. La passe en profondeur. Oui, attaque pour l'équipe tunisienne. Mais le ballon est filé. Mesdames, messieurs, en touche. L'entrée de touche effectuée rapidement. Et par monsieur Halil Maloul. On attend le centre. Mais ça ne donne rien. C'est le portier Thibaut Coutrois qui intervient. Qui capte le ballon. Et qui va relancer de la main. Thibaut Coutrois qui fait écouler quelques secondes.
avant de relancer. Il joue en direction de d'Edric Boyata. Boyata qui repasse le ballon en direction de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui redonne à nouveau en direction de Boyata qui joue en direction de Toby Alderweireld. La passe vers Thomas Meunier. L'équipe de la Belgique quand même qui fait le show. La passe à profondeur. Déviation de la tête de Elias Skiri pour l'équipe tunisienne de football. Les Tunisiens, et mesdames, messieurs, et jouent en retrait en direction de Yassine Meria. Meria qui donne. Et pour Elias Skiri, la passe latérale en direction de Siam Ben Youssef. Siam Ben Youssef, Siam Ben Youssef, et quand même qui accélère. Mais il est descendu sous les yeux de l'arbitre central. Et le ballon est filé en touche. L'arbitre central a tranché au profit de l'équipe belge de football qui mène 2-1 aux dépens de l'équipe tunisienne. N'a pas pu suivre là, mais Saint-Lan qui t'apprend à le capter facilement par le portier de l'équipe belge, monsieur Thibaut Courtois. La Tunisie en possession de la balle sur le flanc droit par Fakhreddine Ben Youssef. Fakhreddine qui n'a pas trop de solutions et qui jouait en retrait vers Siam Ben Youssef. L'équipe de la Belgique, mesdames, messieurs, et à suivre l'évolution du jeu là. Oui, Palguin centre là, le centre dans la boîte, mais c'est un centre négligé, un centre mal travaillé. Entre temps, le technicien de l'équipe belge de football passe des ordres à partir du banc. Le ballon est allé en 6m50. Remise que va effectuer le portier Thibaut Courtois qui joue en profondeur vers Toby Alderweireld. Ballon dévié de la tête, la passe vers et Wabi et Kazri, mais ça ne marche pas. C'est l'équipe belge qui récupère. Oui, attaque pour la Belgique. Attention, Romelu Lukaku des ballons. La passe vers Lukaku. Lukaku. Mais la sortie à bout portant du portier de l'équipe tunisienne. Il a raté contre le Romelu Lukaku. Monsieur Farouk Ben Mustapha, quand même fait une sortie à l'heure demandée. Oui, voilà, ils ont sorti à bout portant. Kit Apral quand même fait écran devant Lukaku dans ce premier temps qui était raté contre le lan. Le ballon est allé en 5m50. Lukaku qui a habité là, ou manqué réaction. Oui, la passe sur le flanc droit. En direction de Monsieur Manqué Rouge. Neymar qui t'a plongé Neymar Suarez à l'image de Suarez. Parce qu'on connaît, s'il est vrai que monsieur raté contre le poussé ballon trop devant, mais n'empêche que et Franck Saint-Ville, Paul qui peut être arrivé, certes, mais monsieur qui est arrivé sous ballon. Oui. Il y a un cap qui est proposé, comme si il y a un fou et puis un babre à Paul qui peut aller, il y a un lagué pour lui, pour lui, il mettait un bicycle là, il y a un gros problème. Oui, c'est toujours le score de 2-1 qui persiste entre Belges et Tunisiens. Attention, la passe dans la boîte, mais finalement, ballon capté par le portier Farouk Ben Mustapha et qui dégage sans perdre de temps. Finalement, John Vertonghen dégage le ballon. On juste le flanc droit. Pas. Et donc, Marguez Andy, la passe en retrait. Danger pour la Tunisie, mais ballon contré. Mais défense, le ballon est allé en corner. Tunisie là, même monsieur. Le tir était de Witzel, Axel. Défense n'a pas besoin même. Ouais, à chaque fois, il n'y a pas de grande défense là. Gardez, Ouais, il se passe. Quand même, c'est en défense enfantine dégarnie. Si monsieur pas de shoot, il doit rouler pour Yannick Carrasco. À l'aise. C'est mais parce que monsieur plus Axel Witzel. Il manque fait un coup de l'an. Il doit rouler pour Yannick Carrasco. Il manque Vista. Alors que les fans croient être au but. Oui, mais le ballon est allé en corner. Corner effectué rapidement. Ballon perdu. L'équipe tunisienne récupère. La passe en profondeur. Mais le ballon est allé en touche. Une passe sans précision. C'est le dossard 6, Axel Witzel, qui va effectuer la rentrée de touche pour la Belgique. La passe vers John Vertonghen. John Vertonghen qui s'appuie en direction de Toby Alderweireld qui remet le ballon nouveau en direction de John Vertonghen. La passe, oui, on joue en retrait en direction de Thibaut Courtois. Que va-t-il faire? Courtois, la passe se joue entre Toby et Courtois. Oui, Courtois qui joue en profondeur. La balle aérienne. Oui, la tête de Dries Mertens qui ne donne rien. L'équipe de la Belgique pour la deuxième balle. Finalement, c'est Ali Maloul qui récupère la balle pour l'équipe tunisienne. La passe sur le flanc droit en direction du nouveau venu. C'est bien, monsieur Andy Marguez. Andy Marguez, la passe de Andy Marguez en direction de Ben Youssef Fakhreddine. Mais la frappe de Fakhreddine passe à côté des buts gardés par le portier de l'équipe belge. Voilà, mesdames, messieurs, à l'écran, Nabil Maloul, l'entraîneur
le sélectionneur de l'équipe tunisienne de football. Le ballon est allé Franks en 5m50. Oui, femme du depuis après goal réduction score là n'a vécu un match très fade là. Et match à pas piment. Il vit fade et c'est à partir de blessure et sortie buteur et tunisien. On a parlé de Dylan Guaron depuis que M. Fin quitte le terrain. Et par contre, si c'est temps mort qui fait ça tout, parce que pendant que M. Blessé a grandi temps mort, entre blessure et échangement, ça vient de faire que et jouer la fonte campée, eh bien, M. Yogel est tout refroidi tout pendant ce temps mort. On espère que nous sommes capables de jouer le tchoubo qui passait du côté de la Belgique et que la Tunisie est capable de répondre pour ce match là. Eh bien, vitesse que tu as gagné tout au début que nous n'avons pas cité. C'est la 35e minute de jeu, attaque pour l'équipe tunisienne, possibilité d'égalisation. Le tir à l'entrée de la surface de réparation. Ça c'est complètement raté, monsieur Ferjani Sassi, mais le ballon est allé au cadre. Oui, amis téléspectateurs, disons, revoyons la frappe du 213, monsieur Ferjani Sassi. Mais dommage, l'éviter défenseur là et le tirer. Le ballon est allé en 5m50. Donc c'est pour Lyon, remise en jeu. Frère, monsieur Bagan Pied. Là, dans la situation, ça l'a mis sur Tony Cousson, Luka Modric. Moi, c'est ou pas, on va dire. Ronaldo, gardien. Ronaldo, dans la zone, ça l'a. Yon Coutinho également, attaque pour l'équipe de la Belgique. Mais il y avait. Ça, oui, Golier pour Philippe Coutinho. Romelu Lukaku était en position avancée. 2-1 entre Belges et Tunisiens. On joue sur le couloir gauche par Ali Malol. Ali Malol, la passe en profondeur de Ali Malol en direction de Kazri Wabi. Kazri Wabi, mais bon dégagement au niveau de la défense. C'était Jan Vertonghen qui a mis le ballon en touche. Grande touche effectuée rapidement par Ali Malol. Ali Malol, la passe axiale en direction de Elias Skiri. Entre temps, l'équipe de la Tunisienne et contrôle la balle sur le flanc droit par Andy Marguez. Mais le ballon est dévié en touche. Le dossard 21, Andy Marguez, entré à la place de Dalen Brown pour l'équipe tunisienne. Mais la Belgique, madame, monsieur, va repartir à l'assaut. Entre temps, l'équipe tunisienne récupère la balle, attaque pour l'équipe tunisienne, la passe en retrait vers Fejani Sassi. Fejani Sassi qui remet le ballon en direction de Saïf Eddin Kawi. La passe à mer, la frappe finale. Oh là là, Wabi Kazri, le cap de la Tunisie. Wabi Kazri, mesdames, messieurs, qui a tiré. Mais le ballon est allé dans les bras du portier belge, monsieur Thibaut Courtois. Quand même, Thibaut qui fait une très belle parade. Romelu Lukaku qui a échangé et chaussure. Le ballon est au cœur de la défense belge de football. Entre temps, c'est bien Thomas Meunier qui récupère la balle. Thomas Meunier qui s'appuie vers Toby Alderweireld. Alderweireld, oui, conservation de balle de Toby qui donne le ballon en direction de Jan Vertonghen. Jan Vertonghen, la passe vers Axel Witsel. Axel, la passe à profondeur en direction de Eden Hazard. Eden, que va-t-il faire? Oui, l'équipe de la Belgique toujours en possession de la balle. Ouverture sur le flanc droit en direction Thomas Meunier. Et de Thomas Meunier. Le centre de Thomas Meunier. Mais ballon capté en deux temps par le portier Farouk Ben Mustapha. Farouk Ben Mustapha n'a pas noté dans le premier match lui. La Belgique a tombé 2-0 contre l'Angleterre. 2 goals à 1. Non. La Tunisie qui fait Tunisie qui perdu 2-0. Et Tunisie t'as pas le tombé contre l'Angleterre dans le premier match. 2 goals à 1. Et la Belgique t'a battu 3-0. Et oui, voilà. L'équipe de la Belgique dans la ligne médiane, c'était monsieur Toby Alderweireld. La passe sur le flanc gauche en direction de Yannick Carrasso. Carrasso, oui, qui avance balle au pied. Ouais, il est poursuivi, mesdames, messieurs, par Sassi. Attention, il accélère, il est descendu. L'arbitre central fait signe de continuer. Il n'y a rien. Attention, l'équipe de la Tunisie va repartir à l'offensive sur le flanc droit par Fakhreddine Ben Youssef. Fakhreddine Ben Youssef, conservation de balle de Ben Youssef. Ben Youssef toujours, accélération de Ben Youssef. Ben Youssef, il faut le surveiller. Mais la passe à profondeur de Ben Youssef, ça ne donne rien. Wabi Kazri qui est déchargé de côté. Wabi Kazri, quand même, qui a fait une permutation, parfois aller à gauche, parfois aller à droite, pour que les côtés ont nouveau. Et Wabi Kazri, nous sommes capables de dire que c'est un joueur qui a plus d'expérience dans l'équipe. Et c'est un joueur qui a un pile talent.
Ouais, c'est lui-même qui capitaine équipe là, c'est que il a un pile responsabilité et équipe là et la Belgique a perdu 2-0, il dit équipe là en aller nous capable, c'est lui-même qui t'est shooté coup franc qui t'est permettre et Boante réduit score là et là ouais, il prend responsabilité le Jérôme des fois à la gauche, des fois à la droite, là chercher ballon poté devant, vient créer danger dans quand équipe belge là. Et sous ça m'a regardé là tout monsieur, faut me dire nous la Belgique m'a regardé là, c'est vrai les parties favoris mais une équipe sérieuse capable by la Belgique. Claire. Attaque pour l'équipe tunisienne. N'importe équipe qui respecte tête li et bon ou Miguel t'a dit que il pas comprendre Portugal. On signe. Il t'a mettre Portugal devant la Belgique ça. Il t'a battu à l'aise. À l'aise, à l'aise. Mais ouais, monsieur, il y a une défense. Il y a une défense qui d'accord avec un pile hésitation. Portugal pas gagné un play à talent que la Belgique gagne mais Portugal c'est une équipe réaliste. Le réaliste papa. Parce que seulement pour bouiller le talent, au moins comme si là, faut qu'on applique. Au cas où talent pas appliqué, ou appliquer, mais surtout de arriver, côté pas penser de arriver. C'est le cas de Messi, Cristiano Ronaldo. Monsieur, quand même gagné, capitaine non, Wabi Kazri qui était au sol. Est-ce que c'est après le deuxième changement forcé pour entrer dans l'équipe tunisienne? Non, on n'a pas exactement de Nabil Malol. Est-ce que l'équipe Silla t'a quand même connaissance ça? Tu as été au sol. Là, ça t'a pion un plus gros pète dans le match. Faut que Séville. Là, il vient à niveau ça. Moi, je prends le soin pour garder et observer l'équipe et tunisienne. Non? C'est vrai qu'on sentit qu'il n'y a pas attaqué. On sentit que bon volonté pour fond bagaille, mais je veux que tu n'as pas défini. C'est comme si Dado son monde qui gagne, ou ouais, mon enflé font bagaille, mais regardez-moi, pévalue mon étiquette. Parce que nous sommes arrivés dans la tentative de faire, parce que on ne peut pas identifier l'équipe là à une philosophie. Il y a des équipes qui viennent paraître du bon, les mêmes, les concentrer sur l'aspect physique, le regroupement défensif, le regroupement de la solide en défense. Donc, ça c'est qualité. Équipe islandaise par exemple, qui est sorti dans la qualité là, qu'elle pense qu'elle est capable de jouer en Nigeria, il prend 2-0. Maintenant, la Tunisie, on sentit qu'il y a qualité. Les joueurs sont capables de passer balle au pied, de mettre passio, de ribal, comme ça. Mais, le joueur n'est pas défini. On prend pile l'action des fois, les rives dans la zone et 20-25 mètres, où le ballon est souvent gaspillé, ils font des mauvais choix. Donc, je pense qu'il faut entraîner là et parler plus avec monsieur pour dire que nous venons nos compétitions. Il y a besoin plus de sérénité. Donc, il faudrait-il que nous concentrions plus sur mais, le sujet. Mais, est-ce que ce n'est pas Golio prend bien bonheur à tout qui démoralise un peu et qui baisse dans l'objectif que vous avez gagné? Parce que nous sommes j'ai joué un gros match face à la Angleterre. Oui. Face à l'Angleterre, on a joué un gros match et là, ouais, bien bonheur et yo prend un goal. Et c'est vrai, yo réduit le score. Yo prend yon, yo c'est justement l'ambre à la voix. Le fait que yo capable de score, mais les deux jours capable de score, elle dit que yo n'est pas découragé quand même. Tu vas découragé. Et puis, si y a même sur 2-0, au cas où il y a assez de ressources pour réduire le score à 2-1 et tout le monde est capable de passer. T'as l'autre dans 2-2, comme ça, tu es capable de tomber en 3-1. Ça arrive dans 2-2, tu es en 3-2. Donc, nous pourquoi là match à 2-1 nous espérons que l'équipe tunisienne Franck Saint-Ville a monté niveau 1 de façon à ce que pour capable jouer un bel échange entre Tunisiens et la Belgique entre Tunisiens et Belges si nous prenons comme ça puisque nous dit Tunisiens font accompagner avec Belges. Entre temps Pierre-Miguel Pierre-Gilles 2-1 attaque de la Belgique double passe faite. Alors ballon pas joindre Romelu Lukaku ballon pour la Tunisie. Attaque de la Tunisie, il y a sorti au bagage sur nom blanc, il est obligé de poser jouet là en attendant que yo jeune assez de monde pour yo faire attaque ça, ballon dans couloir pour le nouveau venu, n'a pas Amdi fait passe là, yo fait double mettre passe là sous lit, le centre, oui, contrôle, le contrôle de la poitrine, la frappe. C'est ça, le sang froid, poser sans, au fin faire contrôle poitrine là, monde qui t'a c'est Fakhreddine Ben Youssef. Ouais, les anti-gens loin qui c'est Thomas Meunier et ben mettre ballon à terre. Ou on s'appelle tout là, soit je ne monde ou bien on fait plus bon tir qui est capable de mettre en difficulté. Goalkeeper belge, on a parlé de Thibaut Courtois. Là, c'est majorité action que vous jouez dans la zone ça. Et équipe qui est l'équipe ouvrée, Franck Saint-Ville. Qui a converti encore. Non, occasion ça, il y a beaucoup là-dedans. Parce que non seulement il y a
yo en face quand et deuxièmement Ariek t'a supposé arriver sous portée de ballon, les ballons belle distance donc nek qui gen ballon en pied lan, li gen temps pour le contrôler, pour choisir un meilleur côté pour mettre ballon an. Donc nous pour jeune ça on petit pont de Thomas Meunier mais gagne faute. Thomas Meunier fait faute et c'est pour aller yo coup franc, il y avait faute sur le latéral gauche tunisien. Je veux parler de Ali Maloul qui gagnait même nom. Alors prénom monsieur, prénom entraîneur lancé nom et Maloul. Entraîneur il est Maloul Nabil, monsieur il est Ali Maloul. Attention donc et pas un relance là pour la Tunisie. Ça passe là, vire tout un bon joueur tunisien qui était en tête. Et c'est ça qui quand même a diminué la qualité spectacle. Oui, puisque oui, c'est une rencontre très insipide. Jouet est en mort, c'est tant que l'a diminué dans la course jouet là. Et dès que la course jouet là est diminuée, le carrément, on perd du la qualité de match, on perd du le spectacle. Bon, selon moi-même, Tunisie est capable de perdre du match, puisque l'Ouel là, et on va l'obliger à faire un deuxième changement forcé. Un deuxième changement forcé, puisque Yote qui t'a fait yon et Ariel Doha t'es sorti et Moun qui t'a marqué goal pour yon, lui-même lui t'es sorti. Dylan Boaron, là où ouais, yon obligé de faire un autre changement encore et c'est dans la défense là encore. Ouais. C'est dans la défense là, ça fait deux défenseurs et cap quitté place yon et sous Sivière. On va être chargé. Et bien, qui est vraiment difficile pour l'équipe Tunisia qui vient jouer mal change aujourd'hui, tout le monde capable de dire. Vient jouer mal change aujourd'hui, alors ben dit deux mouns sous blessure. Et c'est que bah, elle a vu compliqué pour Ben Youssef Siam Ben Youssef et c'est le numéro remplacer le par Yohan, il remplacer le par Yohan Belalouane. Belalouane qui rentrait dans le match là, Yohan Belalouane le numéro 3. Donc deux changements circonstanciels pour la Tunisie. Et Yohan Belalouane et c'est un défenseur qui a joué dans Leicester City en Angleterre. Et nous songeons, nous connaissons monsieur Sad qu'on a accompagné et Wesley Morgan dans la défense Leicester City. Donc c'est dans au niveau. Oui, mais c'est dans au niveau. C'est dans au niveau 1. C'est un bon signe pour la Tunisie lorsqu'on est capable de gagner des joueurs qui ont joué dans le championnat d'Angleterre, première division. Donc c'est quand même des joueurs qui sont capables d'utiliser dans la sélection. Et attention, le renversement de jeu, la réception de la cuisse de Ali Maloul. Ali Maloul fait passe là. Dégagement de Toby Alderweireld. Ballon sorti en touche. Touche donc voilà. Deuxième joueur blessé. Et donc en équipe tunisienne. Ballon et pour Ali. Et Ali Maloul. Li balancé li. Attention. Tentative de Saïf Edine Kaoui. Conner le numéro 7. Tunisie. Saïf Edine Kaoui. Voilà, c'est pral yon corner pour la Tunisie. Le capitaine et le numéro 10, Rabi Kazri. On joue la 3e minute de jeu, Jérôme. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la fin de la première partie. 2 pour la Belgique, 1 pour la Tunisie. Même score contre Rabi Kazri sur le ballon. Capté facilement par Thibaut Courtois qui va relancer. L'Aptonomoun est mieux démarqué pour le capable faire. De quitter l'ambre de face. La passe à gauche. Axel Witsel. En retrait pour Boyata joine. Yann Vertonghen joine. Axel Witsel. En retrait pour Yann Vertonghen. Remettre sous goalkeeper. Et n'a pas le de Thibaut Courtois qui peut être capable de relancer le pointier de Chelsea. Et Yann Vertonghen, joueur de Tottenham, oui. Il est touché. C'est-à-dire son match qui a porté dans senti du là, messieurs. Et trop foot fait, trop joueur rété à terre. Et ça vraiment et gâté l'esquiri. Ça a gâté et qualité spectacle que nous avons supposé. Ouais, plus de peur que de mal pour Yann Vertonghen. Tacle sur Yannifé à Carrasco. Je traite du tout, monsieur. Oui, très dur. Attention, ils ont mis deux mounos dehors sous blessure. Ah, le tacle, ballon pour la Tunisie. Belalouane. Attention, attaque des Maghrébins. Mais ballon perdu, récupéré par les Diables Rouges. Axel Witsel. Les jeunes en couloir. Eden Hazard joue 1-2-1. Eden Hazard, liquide ton premier moun à terre. Il manque 2-1. Le Romelu Lukaku, Bali, contré. Deuxième balle pour la défense tunisienne. Dégagement, la réception.
réception de Thomas Meunier qui joue au milieu du terrain pour Kevin De Bruyne. La passe de Romelu Lukaku. Attention, passe vers Eden Hazard. Mais la couverture du dossard 21, Andy et Nagez, donc Nagez, à peine entré en jeu à la place de Dylan Brown. Et entre-temps, Gaïen, technicien équipe tunisienne, non, qui a passé des consignes. Le ballon est en défense de l'équipe tunisienne. La passe sur le flanc droit en direction de Fakhreddine Ben Youssef. Mais le portier Thibaut Courtois intervient. Le numéro 10, quand même, Wahbi Khazri, qui de retour pour l'équipe tunisienne. Axel Witsel. Ballon pour Axel Witsel. Axel Witsel joue et Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Axel Witsel encore. Axel Witsel joue dans axe défense, équipe tunisienne. Ballon récupéré par les Maghrébins. Attention, il y a faute. Estonabi central. Faute Axel donc Witsel de faute là Axel et... Witsel. Ballon pour la Tunisie. Dans le banc défense là. Nous avons pressing des Belges. Attention, la passe dans l'euro médian. Ballon pour le numéro 7 tunisien Saïf Eddine Kaoui qui est écarté dans le couloir. Attention, il y a combiné là, monsieur et tunisien. Yo, la passe en retrait. Ça circule mieux. Ça circule mieux et bien au sein de l'équipe tunisienne en fin de première période. Attention, ballon en retrait. Contrôlé par Anis Badri. On remercie. Et qui le numéro 13 Faïs Sassi. Attention, on joue dans le remédien. Ballon donc pour la Tunisie. Yokembe ballon depuis n'importe 3 à 4 minutes. Le capitaine n'a parlé de Wahbi Khazri. Wahbi Khazri, attention, ballon donc sorti en touche. Touche pour l'équipe belge. Donc la Belgique mène par 2 buts à 1. Donc après que t'es gagné une pénalité qui était transformée par Eden Hazard. Pral gagné Romé Lukaku qui prend la double mise là, mais non, et quelques minutes après 2-0, équipe Belgique là prend le gagner la réaction de la Tunisie et prend le gagner la réduction du score et par Dylan Brown qui n'est plus sur le terrain. Il est sorti, il est remplacé par Andy Nagez. La passe à gauche, attention, ballon pour Ali Maloul. Ali Maloul renverse le jeu. Attention, coup de tête défensif de Yannick Ferrer Carrasco qui tourne vite, prête main forte à sa défense. Attention, passe et touche le fait rapidement par Nagez. Ballon contrôlé par un joueur tunisien sur le flanc droit. Pas de solution. Passe contrée par Siam Ben Youssef. Siam Ben Youssef gagne ballon encore. Attention, la fête a bien joué. Et Tunisio qui a produit un meilleur football. Mais en toute fin de première partie, la passe dans l'angle mort. Mais finalement, tu as gagné placement là de Thomas Meunier. Thomas Meunier joué en dedans. Attaque de la Belgique. Eden Hazard, il passe tout bon. Eden Hazard, la passe pour Kevin De Bruyne. Ça peut faire mal. Romelu Lukaku. Et selon moi-même là, Kevin De Bruyne a frappé dans le goal. Clair, France. Il choisit option collective là, même selon moi, il a frappé dans le goal. Allez, c'est un gâchis. Et bon côté, équipe Belgique. Tout là. À fait d'accord avec vous. La passe de Eden Hazard. Mettez frappe là. Mais deuxième poteau. Ce jeu tellement aimé fait jouer qui couvre, n'a fait passe li. Parce qu'il fait un pile passe en Angleterre. En équipe Manchester et City. Hein. Ballon donc pour Dedrick Boyata. Dedrick Boyata qui te lit en dans terrain. Attention, passe de Toby Alderweireld, Dedrick Boyata, Axel Witsel gagne ballon 2 pour la Belgique, 1 pour la Tunisie. On joue les arrêts de jeu. Dégagement de Ali Maloul. Ballon pour Raz Mertens. Kevin De Bruyne, Raz Mertens. La passe pour Romelu Lukaku, il n'y a pas en jeu. Lukaku du même coup. 3-1 Foxville. Lukaku rejoint Cristiano Ronaldo dans la tête classement buteur là. Justement, parce que c'est ça. Pierre-Miguel Piaget n'a pas voilà. L'ajouté oui. La rapide. Voilà, et donc c'est 3 buts à 1. Lukaku quand même qui rejoint Cristiano Ronaldo à 4 buts dans la tête classement des buteurs. Mais c'est quand même un 4e but qui fait technicien équipe tunisienne dans le alors en 3e bon. But. Famjo, c'est un goal. Voilà. C'est un goal tunisien au bail tête tout. Oui. Clair. Regarde comment arrière latéral gauche la prend ballon libre extérieur. Bail adversaire. Quitte ballon sorti en touche et puis le temps ça c'est ABC football là. Quand même qui fanatique équipe sur bouille pauvre. Alors que Tunisie non
presque arrêt de jeu yo dans début arrêt de jeu yo qui t'ai montré nous l'autre visage bien Thomas me débarre comme le cas en caviar là chèque dans l'autre visage mais chèque là met sauver la ligne il a prend ligne mais là donc pas de moyen puisque passe là bien dosé un dosage parfait dans passe Thomas Meunier hein, et c'est la fin de la mi-temps madame monsieur 3 pour la Belgique 1 pour la Tunisie. Et pendant qu'on t'a demandé, aujourd'hui, t'a demandé que le niveau enlevé dans la fin mi-temps après quelques petits temps morts qui t'a gagné, ça t'a fait une grande que le match là font baisser en intensité. Et bien, t'a demandé pour la Belgique qui paraît plus fort pour te lever niveau 1. Et puis, la Tunisie t'a accompagné pour te jouer un bel échange. C'est fait. Et bien, la Belgique, et bien, est levé niveau 1. Et la Tunisie, tout a tenté un bagaille dans la fin match là, à savoir jouer 2-2. C'est pas le cas. La Belgique marque un troisième goal par l'intermédiaire de l'avant-centre de Manchester United, Romelu Lukaku. Donc, ça fait 4 goals pour Romelu Lukaku qui, du même coup, rejoint un Cristiano Ronaldo avec 4 goals tout. Ça fait, et noté à 58 goals. 58 goals plus 4, ça va nous 62 goals pour 27 matchs. Qui est riche en but. Oui, riche, très riche en but. Mm-hmm. Voilà, madame, monsieur, avant que nous fassions des considérations autour de la première période, ça, n'a pas observé Pozlan. N'a pas bloqué, c'est une compétition qui est supportée par la présidence ONA Honda, Battery Megavolt, E-Track, DGI, EDH, BNC, et puis Euroceram, Top Tires, Ofatma, et Criolito, Kasami, César, et Centre du Savoir Académique d'Haïti, qui trouvait le nom Delma 83 au numéro 33. Voilà. N'a observé posant n'a tourné moi-même Fox Saint-Ville et Pierre Miguel Pierre Gilles pour d'autres considérations autour de première période Belgique Tunisie 3-1 pour la Belgique. À tout à l'heure.